Fulham, c'est un poumon vert, c'est la verdure, c'est le parc de Fulham, avec le palais de l'évêque de Londres, c'est la Tamise. Vous savez que sur ces bords de Tamise se déroule chaque année à la fin avril la fameuse compétition d'aviron entre Oxford et Cambridge. Et puis si vous êtes jeune, si vous avez moins de 40 ans, alors là je vous promets que la vie nocturne de Fulham, on se marre, on s'amuse bien. Les pubs sont très nombreux. On est venu ici dans le cimetière de l'église St. Mary's of Fulham. Figurez-vous qu'en 1978, c'est là qu'on va tourner un film qui s'appelle The Omen et en français La Malédiction. Derrière moi, vous avez la tour de l'église de Fulham. Et si vous regardez, il y a un paratonnerre. Eh bien, vous avez une scène extraordinaire dans ce cimetière où on voit un acteur qui marche sur les bords de la Tamise et qui entend un bruit. Il se retourne et soudain, le paratonnerre se détache et le transperce. Voilà. Ça, c'est une anecdote de film d'horreur. Un des films d'horreur les plus célèbres, peut-être, de l'histoire du cinéma, qui a donné 5 suites. Voilà. Vous avez énormément de Français ici. Vous pouvez vous dire que dans toutes les petites rues autour de Fulham Road, vous avez énormément de familles françaises. Ce sont les familles françaises qui adorent ces très belles maisons, ces anciennes maisons de la classe moyenne anglaise construites avant la guerre de 1914, et pas à l'époque victorienne, non, sous le règne du roi Édouard VII. Et il y a des écoles. Si le lycée n'a pas cette place ou une école française, ils ont des petites écoles britanniques, des nurseries absolument formidables. Voilà, ce qui est formidable également, c'est que jeunes et moins jeunes vont se retrouver le samedi et même d'ailleurs toute la semaine pour aller faire leurs courses au marché de Fulham. Vous trouverez même un charcutier qui vous vend des merguez, vous pourrez acheter tout ce qu'il faut pour vos barbecues, des fromages vraiment merveilleux, un grand poissonnier. Alors là, vous êtes vraiment dans une ville. Allez, on va rigoler du sud de la France.